like you ever felt. Are you listening? Damn. Coucou les filles. Bah écoutez, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo qui sera pas très agréable à entendre pour certaines personnes, parce que j'ai décidé de taper du poing sur la table et vraiment très fort. Il y a des choses qui commencent à me gaver, sérieusement, et donc du coup j'ai envie de dire à cette personne qu'il faut qu'elle arrête tout simplement de me faire acheter des choses. Oui, parce que ouais, vous avez cru que j'allais balancer sur ma copine Sonia, mais en fait pas du tout. Donc en fait on va commencer ce haul qui lui est dédié, parce que ma copine, elle m'a fait craquer sur plein de choses. Donc je vais vous montrer tout de suite de quoi ça parle. Donc pendant la vidéo, je ne vais pas dire je ne l'aime pas, je ne vais pas dire elle est moche, elle est con, elle est tout ce que tu veux, parce que en fait c'est tout le contraire. Elle est belle, elle est intelligente et elle a tout ce qu'il faut. Et donc du coup le problème c'est que je peux pas résister quand elle me dit que je vais avoir une belle peau avec tous ces trucs là qu'elle se met. Donc bah du coup j'ai testé et je vous dirai dans quelques semaines si, enfin il y a des choses que je peux vous dire dès maintenant si c'est bien ou pas. Donc bah la première chose, et alors là cachez-vous, parce que je pense même que je vais finir la vidéo comme ce que vous allez voir. Voilà. Donc là, je pense que je vais finir toute cette vidéo comme ça. Chiche. Alors, je vous explique le truc. Alors là, j'ai l'impression que je louche. C'est trop chiant. Non, mais sans déconner. Donc ouais, je suis bien là. Hein. Je suis bien derrière le truc et tout, quoi. Alors, ce truc... Donc, comme on a dit qu'on finissait la vidéo comme ça, on n'est pas dans la merde, hein. Donc, en fait, c'est un masque photomodulation. Qu'est-ce que c'est? Alors, je suis pas bien dans les trous, hein. Moi, il est trop grand pour moi, mais bon, il n'y a pas de taille naine, en fait, ça n'existe pas. Donc, oui, je disais, ce masque est un masque de photomodulation. Donc c'est elle qui me l'a fait découvrir, parce que elle a, bon, je vais la retirer parce que je pense que le micro il va pas du tout aimer que je parle dans un bocal, hein, tout simplement. Donc voilà, c'est un masque de photomodulation où il y a des LED à l'intérieur en fait. Et donc tout simplement, ce sont des LED vertes pour la correction des rougeurs, bleues pour les anti-imperfections. Donc luminosité anti-imperfection, et le rouge c'est de la luminosité anti-ride. C'est ce qu'elle m'a fait comprendre, ma petite Sonia, parce qu'elle parlait d'un photomodulator, mais c'était un truc carré comme ça qu'elle se fait de temps en temps, tu vois, de temps en temps. Et j'ai posté une vidéo sur Instagram où elle me dit mais t'as eu ça où, je veux le même. Et donc je l'ai fait poireauter depuis des semaines, parce que bon ça fait déjà 2 semaines. Et je lui ai toujours pas dit d'où ça sortait. Donc, c'est dans cette vidéo qui lui est dédiée que je lui mets en barre d'infos, ma chérie, le lien de ce truc qui est d'AliExpress, hein, faut pas rêver. Je l'ai eu pour 80€ et des brouettes. Entre 80 et 90€, donc ce qui est relativement pas cher pour un masque complet de photomodulation. Étant donné que toi, je crois que tu l'avais payé 100€, je crois, ton truc là. Donc moi j'ai pas voulu m'emmerder à faire tous les soirs un côté ici, parce que c'est qu'un carré, donc tu fais là, tu fais là, tu fais là. Moi je me fous le masque et hop, j'ai cherché hein, longtemps avant de trouver ça, mais vu que tu m'avais mis l'eau à la bouche, franchement ça me faisait chier de pas en profiter quoi. Donc je me suis dit que j'allais tester. Visiblement il faut faire un minimum de 30 minutes tous les jours pour voir une réelle efficacité au bout de 2 semaines, 3 semaines. Donc je verrai bien. Moi ça fait que quelques soirs que je l'utilise. Donc voilà, j'ai beaucoup pensé à toi ma chérie et donc je me suis acheté ça. Donc tu as le lien du vendeur en barre d'infos. Donc je continue parce que c'est pas la seule chose qu'elle m'a fait acheter ma copine. Tu vois, c'est genre... C'est inhérent à sa personnalité, tu vois, de me faire envie, de me dire, vu qu'elle elle est belle, peut-être que moi un jour j'y serai aussi. Et vu que je commence à entrer dans la même tranche d'âge qu'elle, me dit bon, vu qu'elle elle est belle et qu'elle fait des trucs comme ça, ben moi il faut que je le fasse aussi. Je serai peut-être aussi belle qu'elle dans 8 ans, quoi, tu vois. Mais je suis pas sûre en fait. Mais bon, je me donne les moyens, on verra bien si je vois une réelle amélioration ou pas. Alors la première chose c'est le coup d'éclat. Donc je l'ai acheté en parafa à Verdun, pas très cher, il y avait une promo. Ça coûte quand même 18€ je crois ce truc là. Mais 12 ampoules. Et donc c'est lisse les rides, efface les traces de fatigue. Donc non, hein,
Personnellement, j'ai pas trouvé de choses. Alors, elle utilise sur les mariées. Mais du coup, les mariées, elles prennent pas forcément trop soin de leur peau. Donc, elles ont souvent voilà, des cernes, des choses. Après, nous, on est quand même youtubeuses. Donc, on se tartine un peu, relativement souvent, beaucoup de trucs sur la gueule. Donc, on a peut-être moins ce résultat-là. Parce qu'on fait beaucoup attention à notre contour de l'œil, à notre anti-ride, à notre connerie, machin, truc. Alors que les filles, en général, qui se marient, elles prennent jamais. Enfin, il y en a peu qui prennent vraiment autant soin d'elles comme nous, quoi. Tu vois? Et donc ça, effectivement, ça prépare vachement bien au mariage, au make-up, parce que t'as une tenue de dingue avec ce truc-là. Franchement, j'ai fait l'anniversaire de Hugo, je l'ai mis à 5h du soir, le lendemain, 6h du matin, mon maquillage n'avait pas bougé, quoi. Franchement, je suis ravie de ce produit-là. Pour faire tenir le maquillage, ça, il n'y a pas de problème, vous pouvez y aller à 100%, je vous le conseille. Après, chaque ampoule est un peu... C'est un peu du overdosé, quoi. Je ne sais pas, parce qu'en fait, une dose, elle te fait bien plus que le visage. Je suis même obligée de mettre dans le cou, parce que y en a trop, en fait, dans l'ampoule. Donc, du coup, ouais, c'est vachement bien, parce qu'il y a vraiment, pour le prix, il y a vraiment le produit à l'intérieur est vraiment en abondance par rapport à juste les trois pchites que tu pourrais trouver pour d'autres produits, quoi. Donc ça, bilan mitigé, parce que bon, nous, on a l'habitude de... Voilà, moi, j'aime bien voir un résultat instantané, quoi, de ravalage de gueule en 2 minutes, en 2 secondes, quoi. Tu veux voir le résultat, mais non, 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 ça marche pas comme ça avec les coups d'éclat. Ensuite, j'ai pris le baume Nuxe Rêve de Miel, parce qu'elle en parle, elle dit que c'est bien, que ça répare bien, et moi, j'ai des problèmes, c'est que j'ai des peaux, et je tire dessus, et ça me fait saigner, et donc, c'est pour ça que vous voyez, des fois, j'ai... Des problèmes de plaies sur les... Enfin bref, c'est une horreur, c'est une catastrophe. Et en plus, je peux pas m'empêcher, c'est vraiment un tic. Donc voilà, donc j'ai pris ça pour tester, pour voir si ça marchait. J'essaye, quand je vous parle pas du prix, je vous le mets là, hein, parce que je les ai pas tous en tête. Ensuite, bah j'ai craqué. Parce qu'elle parlait de l'huile de foie de morue quand elle était petite et tout, et puis qu'on l'a forcée à lui. Et voilà, puis ça a amélioré sa peau, donc vu que ça a amélioré sa peau et qu'elle le voit, ben moi je veux améliorer ma peau aussi, donc ben, je vais essayer quoi. 220 capsules, vitamine A, vitamine D. Donc je vais bien voir ma chérie si ça marche. Peut-être que j'aurai une peau de bébé après. Donc ensuite, qu'est-ce qu'elle m'a fait acheter la folle? Du C20, oui, parce que bon, j'ai écouté ma copine, sauf qu'à l'intérieur, ben, il y a du parabène et puis il y a du méthylisothiazolinone dedans, donc bon, hein, je crois bien. Non, c'est pas ça? Si, si, je lui avais dit, t'es folle et tout, tu mets ça sur ta tête. Elle me dit, ouais, mais moi je m'en fous des compos et tout, ben, je lui dis, mais moi je m'en fous pas quoi. Ouais, du phénoxyéthanol. Ah ouais, le phénoxyéthanol, on le retire des lingettes de bébé, donc t'imagines sur ta tête? Alors je sais, c'est le parabène et le phénoxyéthanol, ils sont en fin de liste, donc en dose très peu quoi. Infinitésimale, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Mais non, non, je sais que je vais le tester, mais que un sérum vitamine C moins cher, il y en a, j'en ai découvert un il n'y a pas longtemps, je suis en bisbille un petit peu avec l'entreprise pour voir si je peux vous avoir un code promo et tout. Mais bon, ça viendra dans une prochaine vidéo parce que j'ai quand même des projets pour nous, hein, notre chaîne qui se développe tous les jours. Et je fais d'énormes bisous à toutes mes abonnées que j'adore et puis celles qui passent comme ça par là et qui ne me connaissent pas, ben, je leur fais des bisous aussi, hein, il n'y a pas de souci. Et donc voilà, non, non, ça, je vais le tester pour voir quand même, hein. Pour voir si sur ma tête ça fait quelque chose, mais la compo me plaît pas. Ensuite, je me suis plantée. Enfin, non, je me suis pas plantée en fait. Je me suis pointée, c'est mieux, dans le rayon beauté nature et tous les compléments alimentaires mini, 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 chez Super U. Et là, vu qu'elle avait parlé de l'acide hyaluronique, pardon, je me suis pris une boîte. Hein, parce que bon, elle dit que l'acide hyaluronique, le collagène et tout, là, ça. Oh, ça redensifie la peau et ça améliore le grain, tu vois? Sauf que moi, le grain, ben, je l'ai dans la tête, mais ça pourra jamais l'améliorer, ça c'est certain. Donc, ben, ma peau, je verrais bien si ça fait quand... Non, franchement, j'aimerais bien améliorer un peu l'aspect de ma peau. Donc, j'ai pris de 45 gélules, donc il y a pour 15 jours. Et puis en même temps, j'étais dans le rayon, donc j'ai pris de la kératinéa. Donc je pourrais vous faire un avenant à la vidéo des 60 méthodes pour faire pousser vos cheveux. Voir si la kératinéa, donc là c'est une 60 comprimés, donc pour 30 jours, c'est plus efficace
que mon éternelle levure de bière que j'ai rachetée parce que je n'en ai plus. Donc la vitamine B12 qu'il y a dans les cheveux, qui permet de les fortifier. Sauf qu'entre-temps, ah parce que ça dure, hein, c'est à mon affaire, hein, dépenser des sous la copine, hein, c'est pas une copine ça, hein, copine. Donc du coup, Carrefour, ils ont fait encore une promo, il y avait moins 30% sur tous les biocides, les comprimés biocides, les comprimés alimentaires biocides. Donc, en gros, le truc est ça, 57,90€, un truc comme ça. 60 balles la boîte, quoi. Et là, donc, je l'ai eu un peu moins cher, hein, on va dire. J'ai eu, en gros, pour les deux boîtes qui sont au même prix, j'ai eu 35€ d'offert. Donc, j'ai payé que 76 par rapport aux 110 que ça m'aurait coûté, quoi. Tu vois le truc, quoi. Ça coûte une blinde, ta connerie, Sonia, tu vois. Donc c'est le Hyaluronique Forte boîte de 3 mois avec un mois offert. J'ai envie de te dire, heureusement que tu m'offres un mois et il restait plus que cette boîte là en un mois offert. Sinon c'était tes 3 mois et tes 60 balles, tu vois. Donc là j'ai eu de la chance, j'ai eu la dernière boîte où il y avait un mois offert et en plus il y avait 30% sur la boîte. Donc bon, si ça marche pas, j'aurai moins de larmes à pleurer, tu comprends, Sonia. Donc voilà, je verrai bien, 3 fois 30 comprimés plus 30 comprimés, forcément. Et là, j'ai pris du collagène express, donc toujours le même prix, toujours la même offre. Donc 30 jours plus 6 jours offerts, tu vois, ils sont généreux quand même chez Biocite, quand même. Et donc, c'est des sticks de 6 grammes. Donc il y a 30 sticks plus 6. Enfin, bref, t'as compris quoi, les maths et moi, ça fait 10. Donc la peau est lissée, blablabli, blablabla, blablabla, blablabla. Donc, je verrai bien. Donc, je ne te remercie pas, copine, parce que j'ai craqué le slip. Tu fais tout mis bout à bout. Réfléchis combien que ça fait. À cause de toi. Bref, c'est terminé ce haul, hein. On va s'arrêter là quand même, parce que bon, la connerie a des limites. Et puis, la seule chose que j'ai à vous dire, c'est que, déjà d'une, il ne faut pas se pointer sur des chaînes comme ça, où tu as le coup de cœur pour la gonzesse. Deux, il ne faut pas t'en faire une amie, parce que voilà. Et trois, il ne faut pas non plus acheter ce qu'elle te dit tout le temps que c'est vachement bien. Parce que, ou alors échelonner sur le temps. Parce que là, le budget, il a explosé, là. Donc, ben, c'est tout. Vous avez bien compris que cette vidéo était humoristique, que Sonia, je l'adore, que si j'ai acheté ces choses-là, c'était parce que j'avais carrément envie de les acheter et pas parce que, voilà, elle m'a mis le couteau sous la gorge, loin de là. Mais bon, je sais que c'est une fille qui prend soin d'elle, qui a vraiment des trucs et astuces pour avoir une meilleure peau. Donc, vu que c'est mon point faible, j'ai vraiment acheté ces trucs-là en âme et conscience, il n'y a pas de souci. Et ma Sonia, je te fais d'énormes bisous, je t'aime d'amour. Comme tu le sais, comme d'habitude, il faut qu'on se téléphone, hein, faut vraiment qu'on se téléphone. Bref, les filles, c'est terminé, je vous fais d'énormes bisous, merci à toutes pour vos commentaires, pour vos abonnements, pour tout votre amour, toute votre amitié, parce que franchement, ça me fait trop du bien. Et puis, n'oubliez pas que la vie est belle en rose, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous les anges, ciao. Are you listening?